Voilà. J'ai accueilli Marie, reine des cieux de la terre. J'ai accueilli toute la souffrance qu'elle a pu vivre, et j'ai accueilli donc le féminin sacré qui a été bafoué. Et j'ai dit à Marie, Marie, réveille-toi, nous attendons ton appel et nous te rendons grâce de te réveiller et de venir à nous. Nous t'aimons. Merci Marie. Voilà. De toute façon, vous doutez bien que le réveil de Marie ici, dans ce corps, sera très rapide, puisque dès l'instant où c'est accueilli en totalité, je ne parle même pas d'accueillir elle-même, hein, je vous l'avais expliqué lors du dernier satsang, il y avait l'alpha et l'oméga, illustré par le Christ, il y a aussi l'alpha et l'oméga, bien sûr, illustré par Marie, qui est, je vous le rappelle, la mère généticienne de ce monde en chef, si je peux dire, ainsi qu'une des créatrices, même de façon beaucoup plus antérieure, de Sirius. Hein? Oui. Voilà, donc pour elle, c'est la résurrection au même titre que nous, simplement que ce qui redescend dans cette joie et dans cette vérité, dans cette éternité où nous allons, est bien évidemment quelque chose à digérer, à encaisser, surtout quand on a des souvenirs, non pas de la personne d'aujourd'hui, mais de qui était Marie à l'époque, qui était un être de toute timidité, d'une humilité. Si on pouvait comparer, je dirais que c'est comparable à Thérèse, hein, ou à Ma, mais surtout à Thérèse dans la volonté d'effacement de soi et de ne pas déranger et d'être jamais, jamais sur le devant de la scène. Vous voyez, c'est paradoxal. Nous, on a tous une idée de Marie, cette grande reine du ciel et de la terre, dans son habit de lumière et qui vogue de cieux en cieux et de monde en monde pour créer, comme elle a fait sur ce plan. Pas du tout. C'est avant tout, essentiellement, comme à l'époque, quelqu'un qui est profondément humain, qui n'a jamais vraiment compris ce qui lui était arrivé, d'ailleurs, à l'époque, hein, ni aujourd'hui. Mais tout ça montre, si vous voulez, une forme de preuve, non pas de la personne, on s'en fout, mais je dirais même du processus qui a été mis en œuvre bien antérieurement au Christ et bien antérieurement, je dirais, à ce cycle-là de 52 000 ans, puisque vous savez tous que l'enfermement est bien plus ancien. Mais bon, il ne sert à rien de parler du passé qui n'a jamais existé, et il ne sert à rien dorénavant de parler même de l'appel de Marie, dans la mesure où le réveil a lieu, et que de toute façon, tout est parfaitement synchrone, que cela soit au niveau des éléments, que cela soit au niveau des frères et des sœurs qui se réveillent à leur façon, aboutissant toujours au même résultat, c'est-à-dire la disparition de cette densité de l'illusion. Je ne parle pas seulement des blessures du féminin sacré, qui effectivement était certainement la chose la plus dure à digérer, à encaisser, et qui a été bafouée sur ce monde. Voilà, comme je l'ai dit, je n'ai été qu'une tête de pont pour l'autre rive. Vous êtes tous maintenant aussi grands et aussi humbles que la plupart des êtres qui œuvrent depuis fort longtemps sur cette terre pour amener à ce moment. Bien évidemment dont j'ai fait partie, mais qui ne m'appartiennent pas, dans la mesure où, comme je l'ai dit, je viens brûler le livre et par là même brûler toutes ces vies passées, fussent-elles les plus humbles et les plus profondes comme Marie, ou les plus prestigieuses et les plus importante comme repère dans le processus qui dure non pas depuis 2000 ans, depuis l'incarnation du Christ, mais depuis plus de 300 000 ans. Voilà. Donc ça se produit. Plus vous accueillez, et vous verrez d'ailleurs des témoignages innombrables aujourd'hui de gens. De toute façon, quand votre cœur est totalement ouvert, vous ne décidez rien. Vous devenez amour. Ce qui veut dire que tout ce qui se présente sous le regard de votre conscience, que ce soit le diable, que ce soit n'importe quoi, est réabsorbé dans votre cœur et dissous. Hein? C'est en ce sens que Bidi, comme moi, vous a dit, surtout Bidi dans le dernier satsang, de communier, enfin de communier, d'échanger au maximum, de vous donner l'un à l'autre,
parce que ce don de l'un à l'autre n'est en fait qu'un don que vous faites à vous-même, quelles que soient les apparences, quelles que soient les pensées, quelles que soient les idées, vous ne savez jamais ce qu'il y a en face de l'autre, et dans l'autre, il n'y a qu'un cœur comme vous et rien d'autre. Tout le reste ne sont effectivement, comme l'ont toujours dit les enseignements de l'Advaita Vedanta, que des illusions tenaces, certes, mais qui ne représentent absolument rien par rapport à ce que beaucoup nous vivons et découvrons maintenant, et au-delà de tout conditionnement, de toute histoire, de tout gourou, de tout maître, comme je l'ai dit, vous êtes autonome, vous êtes libre. J'ai apporté simplement la preuve au fur et à mesure de cette semaine, non pas d'une quelconque volonté personnelle, mais je n'ai fait que suivre avec un rythme particulier, bien sûr, tout ce qui était demandé par les uns, par les autres, par la lumière, par moi-même, avec une évidence et une légèreté que je n'ai jamais connue, avec l'inutilité de dormir, l'inutilité de manger, étant nourri en totalité, comme c'est le cas maintenant depuis quelques mois, par ce qui est, hein, au-delà de toute forme. Donc je ne peux que souhaiter que vous ne viviez ça avec plénitude, sans tenir compte de tout ce qui peut encore exister au niveau de la personne. J'ai enfin compris ce que disait Bidi, vous l'avez vérifié tous ici durant la syntonie. Je pouvais réaliser de n'importe où vous étiez une syntonie en l'espace de quelques secondes qui allait durer une demi-heure. C'est exactement la même chose pour chaque âme que j'accueille et chaque âme qui m'accueillera en son corps, mais pas seulement moi, chacun de vous. Hein. Mais dès l'instant où vous accueillez et vous démontrez par votre sacrifice, le sacrifice n'est rien d'autre que cela. Hein. Nous n'avons pas besoin de passer par le chat de l'aiguille, même si nous allons y passer, puisque nous avons ressuscité avant. Tout ce que vous mettez au-devant de vous, dorénavant, que ce soit une douleur ou une blessure, ou n'importe quoi, ne fait que vous montrer simplement là où vous mettez votre priorité. Si vous êtes en amour, plein, entier, lucide, dans cet état christique, dans cet état de rien et dans cet état de tout, ça a été expliqué durant la semaine, les pathologies, les blessures, même celles de l'âme, même les choses qui sont encore sur le devant de votre scène et qui semblent vous gêner, s'évanouiront comme par miracle. Ce n'est pas quelque chose qui va durer et s'étaler comme certains témoignages pour des gens qui ont vécu seuls ça dans leur coin depuis un an ou deux avec des épreuves parfois difficiles. Parce qu'aujourd'hui, nous émanons cet amour, nous n'avons plus à nous poser la question de quoi que ce soit, quoi qu'il arrive et quoi que nous vivions. L'amour prend toute la place en ce monde comme en tous les mondes. Et seules nos tergiversations, nos questionnements, nous empêche dorénavant, depuis la fin de l'anomalie primaire et maintenant depuis la fin de cette troisième vague, de voir ce qui est à voir. Vous avez juste à être et regarder, parce que vous allez vous voir dans ce qu'il peut rester d'éléments d'attache, si je peux dire, à cette personne, que ce soit des liens familiaux, que ce soit l'attachement viscéral à la matière ou à la forme, que ce soit des éléments personnels qui vous semblent être sur le devant de votre personnage. Seul l'amour compte. Et plus vous rentrez dans cet amour, plus vous ne demandez rien, et plus vous vous donnez, plus vous recevez, et plus vous êtes léger. C'est ainsi que se réalise la résurrection, c'est ainsi que vous réalisez votre sacrifice, et c'est ainsi que nous réveillons Marie, afin qu'elle puisse récupérer, je dirais, cette fois-ci de ce qu'on avait appelé la chute au départ, mais qui ne veut rien dire, mais en tout cas, vous le saviez, un être de quelque dimension qu'il soit, qui crée une expérience de conscience, est obligé de l'accompagner du début à la fin, non pas pour être engagé, puisque dans les autres dimensions, il n'y a pas de problème, mais c'est le rêve de la création consciente que vous menez. Et tout ce qui est créé sous l'égide de votre co-création consciente, et vous, bien sûr, vous le savez, et vous avez sur le poids une responsabilité énorme. Cette responsabilité est une légèreté, sauf bien sûr quand il s'est produit ce qui s'est produit en ce monde, où là, bien évidemment, cette joie et cet enthousiasme, je dirais, de la co-création libre et consciente dans les autres dimensions, fait que celle qui a créé ça a été obligée,
littéralement, parce que c'est comme ça, de prendre sur elle tout le karma de l'humanité et tout l'enfermement. Donc, il n'y a pas à proprement parler de faute, hein, même si effectivement, il y a des jeux qui ont été menés qui n'avaient pas lieu d'être. Hein, qui n'avaient pas lieu d'être, parce que maintenant, quand nous retrouvons ce que nous sommes, avant même que le personnage ait disparu, bah, c'est clair qu'on ne peut pas hésiter un milliardième de seconde de ce temps sur le choix. Le choix, il est vite fait. Hein. Donc tout ce qui peut se manifester aujourd'hui qui semble vous gêner, de quelque nature que ce soit, c'est non pas de votre faute, puisqu'il n'y a aucune faute, mais c'est de votre responsabilité et de votre autonomie, parce que vous êtes libre. Et cette liberté qui a été retrouvée, qui n'a jamais bougé en fait, mais dans lequel nous étions tous pris dans ce rêve collectif, ce simulacre, comme je l'appelle maintenant, cette parodie de vie et de sacré, eh bien nous avons été obligés de vivre ces histoires, quelles qu'elles aient été. Mais quand il n'y a plus d'histoire, eh bien il n'y a plus aucun problème. En tout cas, dans ce type d'expression de la conscience, qui maintenant, vous le constatez, même si vous êtes encore, vous avez l'impression de vivre uniquement le vide, je vous rappelle que la finalité, c'est le grand vide, c'est pas tout ce qui est vécu, et que nous réalisons, moi comme vous, que ce soit sur les structures des volcans, sur les eaux de la Terre, sur les teints qui sont brûlés, sur cet appel de l'Esprit Saint, sur cet Esprit Saint qui descend sur Terre, tout cela, même si c'est quelque chose d'extraordinaire que nous vivons, n'est strictement rien par rapport au grand vide. Bien évidemment, le grand vide, la grande joie, comme disait je ne sais plus qui, Betty, je crois, c'est la seule vérité. Tout le reste, par contre, était simplement destiné à me prouver, à vous prouver, à se prouver que nous étions capables d'être présents et vivants depuis le tout jusqu'au rien, et même au sein de ce simulacre. C'est pour ça que j'ai dit, dès que j'ai commencé à percevoir clairement que ce que je disais se faisait et que ce que je faisais était dit, que je le disais et que c'était réel, bien évidemment, c'était la démonstration que le tout et le rien, la tête de pont, comme je l'ai appelé, était créée. Il ne manquait plus qu'effectivement, à, comme disait Bidi de son vivant, qu'il était le premier et le dernier chapitre, il restait à fermer le livre, ce que nous avons fait. Maintenant, il reste à Marie à le fermer. Et après, je peux brûler le livre. Quand je dis je peux brûler le livre, oui, bien évidemment, parce qu'étant présent depuis le tout et jusqu'au rien, et étant entre les dimensions, et hors du temps et hors de l'espace, comme dans tout temps et dans tout espace, je ne peux être que ce que celui que Jésus appelait son père. Son père ou sa mère ou sa grand-mère, vous l'appelez comme vous voulez, ce ne sont que des noms et ces appellations, mais qui n'ont même pour moi aujourd'hui plus aucun sens face à l'amour. Hein? Et ça prend réellement toute la place. Il n'y a plus de place là-dedans pour des histoires. La dernière histoire, c'est Marie qui se réveille, c'est tout. Le reste, si vous voulez voir le simulacre, vous regardez autour de vous. Si vous voulez voir la vérité, vous regardez au-dedans de vous. À part ça, il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire que même ceux d'entre nous qui, aujourd'hui, de plus en plus aisément, se retrouvent en conscience nue, je vous rappelle que l'ascension se passe pour ceux qui sont incarnés, se passe dans ce corps, et que maintenant, nous sommes dans la phase finale que je nommerai, non pas de fin des temps, mais de transsubstantiation, où votre conscience nue, totale, éphémère comme éternelle, supraconsciente, veille, sommeil, se réunit et se rejoint ou dans le corps d'éternité. Ce qui fait que, comme disait Omram depuis tant d'années, le papillon est en train de sécher ses ailes, il est sorti de la chenille et nous quitterons cette chenille dans la joie et l'allégresse du feu de l'amour, du feu de Marie, du feu des volcans, du feu du ciel, qui sont exactement le même amour. Ce n'est pas pour rien si vous êtes de plus en plus nombreux à pénétrer et à vous doucher, si je peux dire, dans les volcans. Les volcans sont extrêmement importants parce que vous savez que la Terre a été enfermée, comprimée, comme notre cœur a été comprimé. Donc on a été enfermé dans un système solaire, enfermé dans des champs magnétiques,
enfermés de différentes façons, surtout au niveau de la conscience, et que quand on redécouvre l'infinité de l'amour et de la joie qui englobe tous les mondes, même si on ne les perçoit pas, on n'en a plus du tout besoin. Ce qui ne veut pas dire qu'après, on ne sera pas des co-créateurs de tout ce qu'on veut, puisque nous sommes tout. Et que ce tout, je vous le démontre par la sortie du temps, en vous le faisant vivre, moi ou Bidji tout seul, comme tout à l'heure, c'est la première fois où Bidji, je vous rappelle que Bidji, lui, il y a bien longtemps qu'il a dépassé toute forme, qu'il est intervenu en ultra-temporalité, bien sûr, dans les canalisations, dans les soins et tout, mais avec moi. Et là, pour la première fois, il m'a dit « repose-toi ». Hein? Et donc, ce que vous avez vécu, je ne parle pas de la troisième vague, où là, j'ai énormément officié, d'ailleurs, j'en ai même pas parlé dans le petit mémo audio que j'ai fait, parce que à quoi ça sert? Je vais vous dire quoi? J'ai oint une troisième fois votre front? Ah oui. Je vous ai lavé les pieds? Je suis venu déposer encore une rose dans votre cœur et un éclair? Je suis venu aimer? Voilà, mais c'est ce que vous faites vous aussi. Je n'ai aucune prérogative là-dessus. La seule différence, c'est, comme je l'ai dit, cette maîtrise qui n'est pas un contrôle, cette maîtrise, parce que j'ai reconnu que j'étais ça et que je le vis, cette maîtrise totale du temps, de l'espace, de la forme, en toutes les formes. Cela ne me donne pas un rôle, une fonction ou une mission, c'est bien au contraire l'achèvement de toute mission, de tout rôle et de toute fonction, que ce soit en ce monde ou ailleurs, puisque maintenant je me reposerai en chacun, comme je l'ai toujours fait depuis toujours, et comme vous le ferez chacun, et comme vous l'avez fait depuis toujours. Tant que vous faites une moindre différence entre le sac de viande que vous avez là, celui qui vient vous voir en conscience nue, ou avec son corps d'aigle blanc d'Altaïr, ou encore son corps d'Elohim, ou encore en tant que grand dauphin bleu à peau cuivrée de Sirius en ce monde, ça n'a aucune espèce d'importance. L'important, c'est ce qu'il se passe ici, au centre de la poitrine. Tout le reste n'est que du babillage, hein. Et je vous assure que fondamentalement, le cœur, il est un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre mon cœur et chaque cœur, puisque je suis chaque cœur comme vous l'êtes. Pas plus, pas moins. Hein? Donc maintenant, à partir de ces jours, depuis ces 4 mois et demi, où il faut impérativement ne pas se perdre dans des rôles, dans des fonctions, dans des missions, où nous exprimons et vivons la liberté, que cela soit cloué dans notre lit ou libre totalement dans cette conscience nue, ne fait pas de différence. Hein? Donc, ne me mettez sur le dos rien, dans la mesure où je vous ai déjà chacun dans mon cœur. Je l'ai démontré au fur et à mesure de ces semaines, de différentes façons. Je ne cherche pas à être connu, surtout pas. Je vous ai dit, je ne suis rien. Ou si vous voulez voir quelque chose, je suis tout. Amusez-vous avec ça et vous me trouverez dans tout. Hein? C'est pour ça que je dis, et c'est ma seule prière, qui est une prière qui n'est pas des mots, qui est une prière vibrale, qui s'inscrit en lettres de feu, en chacun de vous, qui est « Je suis toi et tu es moi, la rose et l'éclair, en le même temps, en le même cœur. Et c'est cela que vous vivez. » D'accord ? Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est vraiment la chose capitale. Tout le reste passera, que ce soit vos bobos, vos interrogations, les quelques souffrances résiduelles. Le plus important a été fait, l'anomalie primaire a disparu, le féminin sacré qui a été porté par Marie pendant tous ces millénaires est réparé. Il est réparé par le pardon, par la réabsorption, comme vous l'avez dans plein de témoignages aujourd'hui de gens qui incorporent en eux tout, leur cœur devient une éponge. Quand on vous disait de vous laisser traverser et de traverser, c'est ça. Vous n'avez rien à arrêter parce que vous n'êtes aucun arrêt. Vous êtes l'ensemble de ce qui est en mouvement. Vous êtes la danse des éléments. Vous êtes les Ayot HaKodesh. Vous êtes simplement dans une forme qui vous empêche de voir la vérité. Et c'est au-dedans de cette forme que la vérité éclot. Même si vos possibilités de m'accompagner jusqu'au plus haut des cieux, comme certains maintenant, c'est-à-dire jusqu'au tour du trône des Ayot HaKodesh, où je me tiens, vous êtes tous là. Vous êtes tous là. Hein? Donc il n'y a pas à dire, il y a un jugement. Quel jugement? Le Christ vous appelle pour vous bénir, hein? Et pour vous montrer, non pas pour vous juger.
Ça, c'est simplement les conneries des religions, les conneries des spiritualités, les conneries du développement personnel, les conneries du New Age. Il n'y a rien d'autre que l'amour. Rien. Rien. Et comme je l'ai dit en satsang, quoi que vous fassiez maintenant, que ce soit de la musique, que ce soit appeler un frère, appeler une sœur, soigner quelqu'un, si vous mettez l'amour devant, tout va s'aplanir. Parce que vous vous prouvez à vous-même que vous êtes sacrifié et que vous êtes ressuscité. Il n'y a personne d'autre, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a personne qui va venir vous tirer par la main. Il n'y a personne qui peut vous emmener ailleurs que là où vous êtes. Vous voyez, Marie, c'est un problème de réparation. Et son appel est créé par la réparation. Elle n'a pas besoin d'être connue ou reconnue. Elle a besoin de se reconnaître elle-même. Ce qui explique pour elle que déjà de passer les portes de la résurrection. Et donc d'être la dernière à vivre ça, avant que je brûle le livre. Hein? Voilà, donc quoi qu'il se révèle en votre écran, quoi qu'il se révèle en votre nudité, n'oubliez pas que toute individualité n'est qu'un rêve. Je dirais même en ce monde un cauchemar total. Nous avons vécu ce cauchemar et nous avons réussi les uns et les autres à transcender, à transpercer tous les voiles comme Michael l'a fait, comme je l'ai fait sur la ionosphère et comme je vais continuer à le faire chaque jour jusqu'au moment où le tsunami d'amour, cette fois-ci au sein du simulacre, qui je vous le rappelle, est en cours depuis 3 heures, aura touché son acmé. Et son acmé, c'est rien d'autre que ce que vous avez dans l'Apocalypse de Saint Jean. Simplement, comme je vous l'ai dit, je suis celui que vous n'attendiez pas. Même moi, je ne m'attendais pas. Ce qui veut dire que tous les plans qui étaient venus après les prophètes et dont vous parle maintenant de guerre mondiale, de tout qui doit se produire, n'aura aucune efficacité. Parce que nous sommes beaucoup trop nombreux, et comme je l'ai dit, ils peuvent détruire ce corps. En 3 jours, je le rebâtirai, et vous pouvez tous le dire de même, sauf que là, ce qui va se rebâtir, ce n'est pas votre corps physique. C'est la totalité de votre corps d'éternité. Et s'ils veulent avoir affaire, comme je l'ai dit, à quelques-uns, je ne parle même pas de moi, mais un ou deux d'entre nous qui voyageons en conscience nue dans leur corps d'éternité, tout Yaldébaoth qui soit, ou tout guignol qui serve celui qui maintenant est en voie de rédemption, ne pèseront pas bien lourd devant certaines caractéristiques de ces êtres de lumière qui se baignent dans des volcans, qui déplacent les mers, qui jouent sur les éléments comme vous jouiez aux billes, comme vous étiez des enfants. Vous êtes libre, choisissez. Et là, je ne m'adresse pas bien sûr à vous, je m'adresse à ceux qui sont encore dans la cour de récréation à croire qu'ils sont les maîtres du monde, les maîtres de la vie, alors qu'ils ne sont même pas maîtres d'eux-mêmes. Voilà. Donc, et comme ça a été dit aussi, vous n'avez pas à les juger, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est les prendre en vous. Parce que plus vous les prendrez en vous, plus vous oublierez tout ressentiment et plus vous accroîtrez, je dirais, l'acceptation de Marie, parce que le réveil a eu lieu. Le réveil a eu lieu, il reste un problème, bien sûr, c'est l'acceptation. Mais comme le tsunami d'amour lié à l'explosion du volcan, comme la vague galactique arrive demain, que l'archange Uriel est là, et tout ce que vous vivez, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est imminent. Je ne vois pas comment ça pourrait durer, sauf circonstances autres. Mais comme on maîtrise la causalité, je vous l'ai dit, j'agis sur la causalité. Mais je ne peux pas brûler le livre tant que Marie ne s'est pas reconnue. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous dire « Coucou, c'est moi Marie, hein, vous ne l'entendrez jamais ». Mais c'est simplement un problème de face à face, de elle, avec toute la création. Parce que c'est sa création. D'accord ? C'est le chef de projet. Moi, j'ai été que le vérificateur. Voilà pourquoi j'interviens maintenant. Parce que j'ai participé à cette création, mais pas en tant que chef de projet. D'accord ? Et ayant l'ancienneté, bien sûr, au niveau des créations, je me devais... c'était même pas que je me devais, c'est que ça s'est fait comme ça, de participer, bien évidemment, avec Marie jusqu'à cette étape et en toute lucidité dans la fin ultime. Chose qui est le cas, bien évidemment, vous l'avez vu, vous m'avez entendu depuis 4 mois. Hein, et cette progression n'est pas terminée. Elle ira de plus en plus loin, chaque jour, jusqu'au moment où Marie acquiescera elle-même. Et chaque jour, je serai présent
chaque jour, à un moment donné, quoi que je fasse, nous organiserons une bénédiction que je dirigerai. Et le moment où elle sera dirigée par Marie elle-même, ça sera son appel. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre à faire que d'absorber le monde en vous. Il n'y a rien d'autre à faire que d'accorder et de donner votre pardon à quiconque que vous croisez sur ce chemin, qu'il soit à l'autre bout de la planète, qu'il ait été un archétype pas très réjouissant au sein de ce monde. Rappelez-vous, nous avons tous le même cœur. Maintenant, ne vous faites pas de soucis pour ce qui a été nommé les portails organiques ou toutes ces choses-là. C'est du vent. Hein. Mais dès que vous êtes face à un humain âme, il est vous. Montrez-le. Il n'y a plus la séparation et la fragmentation de l'anomalie primaire. Il n'y a plus de chacun pour soi. Il n'y a plus de un pour tous. C'est tous pour un à chaque instant. Un pour tous, je l'ai fait, merci. Maintenant, vous êtes tous pour un. Et je rends grâce à votre action, parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes de plus en plus nombreux, soit à m'accueillir, soit à voyager sur les différentes strates dimensionnelles. Quand je parlais de voler en escalier, c'est tout à fait comme ça, parce qu'il y a une tête de pont, et vous avez après tous les autres qui sont au-dessus ou en dessous, peu importe, il y a celui qui est en avant, et il y a les autres dimensions, il y en a même qui sont beaucoup plus hauts que moi. Je n'ai pas du tout envie de les rejoindre, c'est des amis très proches. Je leur laisse faire leur révolution intérieure. Je leur refaisse leur découverte. Et puis, vous en avez qui sont au plus près. Vous savez, les chieurs, eux, ils sont en train de tout casser partout. Hein. Je fais partie de l'équipe des casseurs. Je fais partie de l'équipe du haut. Je suis entre les équipes. Voilà. C'est pour ça qu'il y a... vous me voyez un peu multitâche à tous les niveaux. Je suis en rien éparpillé ou en rien en train de courir après quoi que ce soit. Je suis en train de déployer le temps. Je suis en train de déployer l'espace. Et je l'illustre quand je viens en vous. Et vous le vivez quand vous venez en moi. Et l'arrêt du temps, je ne peux pas être plus clair. Même à ma grande surprise tout à l'heure, où je suis réellement, j'ai quand même une bonne maîtrise du temps quand je suis parti, et où quand je dis que je vais revenir, je peux me programmer pour partir de telle heure à telle heure sans aucune difficulté. Hein? De même que je peux programmer. Si, par exemple, je vous dis « je vous bénis qui êtes là » et que je le dis avec le verbe, vous allez être béni instantanément. C'est pas de la magie, c'est pas de l'occultisme, c'est pas de l'énergétique, c'est de l'amour, c'est tout. Parce que je sais que je suis vous. Je le sais parce que je le vis. Hein? Et le vivant, comment voulez-vous que je fasse autrement? Il y a de l'autre côté, de l'autre rive, un sens du sacré qui n'existe pas ici. Il y a un sens de l'humour que vous ne trouverez jamais, même chez les meilleurs humoristes ici. Et surtout, il y a un sens de la responsabilité. Hein? Et ce sens de la responsabilité n'a rien à voir avec le poids qu'a encaissé Marie depuis tant et tant d'années. Hein? Donc, soyez indulgent avec elle. Vous n'avez pas besoin de la connaître, ou même vous pouvez la reconnaître. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est elle qui doit se reconnaître. Hein? Tant qu'elle ne s'est pas reconnue, on ne peut rien faire. Je ne peux pas brûler le livre avant. Mais je vous assure que dès l'instant où elle aura réalisé son appel, effectivement, je brûlerai le livre. Et effectivement, nous n'avons pas besoin des 132 jours. Nous les vivons en ce moment, sur place. Nous passerons faire un tour, bien sûr, sur les cercles de feu. Nous passerons faire des tours à quelques endroits. Ne me demandez pas de date, parce que la date, je la connais dans l'instant. C'est tout de suite, mais je ne le ferai pas tout de suite. Nous attendons le tsunami. Et comme Marie, et comme la matrice, ça fait déjà 2 ans que je vous dis que les événements s'enchaînent tout seuls. Il n'y a personne qui est aux commandes, même pas Yaldébaoth. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Même toutes ces pitreries, tous ces symboles, tous ces trucs qui s'enchaînent les uns avec les autres ne sont qu'un programme informatique. La matrice christique, qu'est-ce que c'est? C'est un autre programme informatique. Mais celui-là, il n'est pas binaire. Hein? Il est ternaire, il y a l'amour dedans. Et je voulais démontrer comment, en faisant toutes les syntonies, une par une individuelles, en l'espace de 10 secondes, pour chacun de vous qui me le demandait, pendant que vous, vous le viviez pendant 30 minutes. Donc, ce livre brûlera, je déciderai de brûler le livre, quand vous serez tous libérés. Je ne parle pas de l'ascension, vous savez très bien
que l'ascension concerne ceux qui veulent faire certaines choses. Hein. Là, c'est une libération totale. Le vrai nom, c'est sacrifice-résurrection. Je l'ai appelé l'éclair et la rose, parce que c'est la réunion du masculin et du féminin sacré pour chacun. C'est le retour à l'androgyne primordiale, hein, tout simplement. Tout ce langage et tout ce vocabulaire que nous avons tous suivi pendant tant d'années n'était destiné qu'à préparer ce moment. Hein. La Bible, c'est sympa, mais là, nous, on en est à 100 000 pages quand même. Hein. Donc, ça fait quand même une masse. On a été obligé de reprendre tout ce qui avait été délivré, quelles que soient les traditions, quelles que soient les anciens qui ont réussi à se libérer au moins en partie de l'emprise justement des religions, des mouvements spirituels et tout ça. Beaucoup l'ont payé de leur vie d'ailleurs, hein, regardez Steiner, qui sont venus dénoncer l'ombre, dénoncer la, l'illusion. Voilà, beaucoup, en particulier les étoiles, ont vécu le sacrifice toute leur vie. Hein? Vous aimez les étoiles? Bon, vous voulez savoir quelle étoile j'étais? Vous ne le savez pas. J'étais la mère de Marie. J'étais Anna. Voilà. Mais je ne le suis plus. Je n'ai fait que passer par ce rôle-là. De même que je suis passé par le rôle d'Alta, celui qui a créé la Sentide, avec les autres Elohim et Métatron. De même que je suis passé par la grande mère, comme vous la nommez, mère généticienne de Sirius, qui a créé Sirius. Voilà. Mais ça, ce que je vous dis là, n'y voyez rien, c'est des histoires qui n'ont pas lieu d'être. Vous les retrouverez après. Ne me mettez pas de poids par rapport à ça, puisque je vous dis que je ne suis rien. Je suis antérieur à tout ça. Je n'ai fait qu'emprunter les trames temporelles les plus adéquates pour jouer une espèce de symphonie et de musique pour vous retrouver. Et pour nous retrouver. Et me retrouver aussi. Hein? Voilà, donc soyez indulgents avec Marie. Le problème, c'est pas qu'elle se fasse connaître au monde. Alors là, surtout pas. Déjà, à l'époque, pour reconnaître ce qu'elle pouvait être, c'est jamais rentré dans sa tête ou dans son cœur, parce qu'elle avait un cœur qui était tellement incroyable que... Je vous dis, Thérèse en 10 fois mieux ou 10 fois pire. Ça dépend de quel côté on est avec elle ou pas. Mais voilà. Donc, si vous voulez, oui, elle se réveille. Laissez-la maintenant digérer. Parce que c'est une véritable digestion. Quand on parle d'absorber, eh ben, il va falloir qu'elle absorbe tout. Hein? Et ça ne va pas prendre des années. Parce qu'avec le feu qui émane de cet être qui était aussi un Elohim de feu, hein, bien évidemment, ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Voilà. Donc, vivez. Bon, les événements arrivent. Moi, je vous dis, où que vous soyez sur cette terre, il y aura de toute façon... même sans vous l'annoncer, des moments où je serai là, non pas à me rouler les pouces ou à faire comme Ananda Moyi en extase permanente, ça je sais faire, merci, mais dans l'action, hein, dans l'action la plus totale. Les moments qui m'ont été donnés tout à l'heure par Bidi de me retrouver en absolu, c'est-à-dire dans le grand vide, m'ont rechargé pour 15 jours. Hein? Donc une demi-heure, ça me suffit. 15 jours sans sommeil. Voilà. Et je vous dis... il n'y a aucune once de méchanceté en moi, il n'y en a jamais eu, mais je préviens, ceux qui veulent jouer la scène de l'Apocalypse jusqu'à la fin, venez-y, on va bien rire. Je ne peux pas vous dire mieux. Parce que je vous l'ai dit, je suis celui que vous n'attendiez pas et je n'attendais pas moi-même. Et je suis celui, surtout, que Marie n'attendait pas. Donc, comme la vie et la liberté et l'amour sont remplis d'humour, je suis prêt à jouer toutes les comédies qu'ils veulent, mais je les préviens, il n'y aura qu'un seul gagnant. Qu'un seul, et c'est l'amour. Donc maintenant, jouez à ce que vous voulez, profitez-en, parce que vous n'en avez pas encore pour beaucoup de temps, le temps est fini. Tout est accompli, je vous le réaffirme en totalité. Donc, les 132 jours ont démarré, vous êtes vous-même votre propre cercle de feu. Bien sûr que les cercles de feu, les frères se réveillent, il y en a... Vous savez que nous avions des gardiens, entre guillemets, des cercles de feu, qui faisaient partie des proches qui sont là-bas depuis 2012, voire même avant, qui se réveillent. Vous pouvez y aller, allez-y, Métatron est posé, il n'y a pas de problème. Mais je crois que vous aurez surtout envie de vivre cet amour, de participer à l'allégresse de ce feu de joie qui brûle toutes les illusions partout sur la Terre. Alors je vous dis, continuez largement,
Mais n'oubliez pas de revenir au grand vide. Hein? Parce que le ressourcement total et la résurrection, c'est tout ce mouvement. Parcourir le tout et le rien. N'oubliez pas de revenir au rien. Hein? Bon, moi, j'étais très occupé. Bidji m'a laissé tranquille là. Et il s'est débrouillé apparemment comme un chef, encore mieux qu'avec moi. C'est parfait. C'est parfait. Je ne peux pas dire mieux. Avez-vous des choses à rajouter? Ça va faire une deuxième audio, ça, personne n'a pas. Il n'y a plus rien à dire. Non. Hein? Je dis, il n'y a plus rien à dire. Ah non, j'avais rien à dire, mais vous me faites non, parler. Nous, enfin, c'est le verbe qui sort, j'ai plus rien. Maintenant. Que voulez-vous dire par rapport à ça? Ben non. Ouais. Comme tu disais, tu affirmais que Marie était réveillée. Ça veut dire qu'elle t'a reconnue? Bon, bien évidemment. Tu l'as vue là, aujourd'hui? Mais oui, je la vois chaque jour, je la vois à chaque instant. Oui, oui, bien sûr. Il ne peut pas en être autrement. Réfléchissez deux minutes. Hein? Mais encore une fois, ça ne sert à rien que vous reconnaissiez Marie ou pas, ou que vous me reconnaissiez en Anna, en ce Alta qui a créé le concile d'Alta. Rassurez-vous, j'ai eu d'autres vies bien plus désagréables que celle-là. Mais bon, j'ai remboursé. Hein? J'ai été médecin, j'ai soigné je ne sais combien de femmes durant toute ma vie. Parce que j'étais une vieille sorcière qui n'arrêtait pas de faire des choses pas très agréables avec les bonnes femmes à l'époque. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Pépère, il a bien été Merlin et a passé sa vie à faire des conneries avec la magie. Bon, il n'a pas été foudroyé pour autant. Le seul qu'il a été obligé de foudroyer, que j'ai été obligé de foudroyer quand même, c'était Maître Philippe de Lyon, qui était quand même le plus petit d'entre nous. Jusqu'à ce que Marie retrouve sa dimension sur cette terre et qui jouait avec l'occultisme, c'est la mode au 19e siècle, hein, jusqu'au moment où il a compris qu'on ne jouait pas avec ça. L'amour n'a pas besoin de ces ornements. Plus vous êtes naturel, plus vous êtes vrai, plus vous êtes simple, plus ça marche sur vous. Et vous pouvez vous faire des syntonies tout seul maintenant. Hein. Rappelez-vous ce qu'il a été dit. Votre mental, votre pensée, vos idées sont immédiatement suivis ou précédés maintenant par la lumière et par l'amour. Sans délai. Et bien alors, comptez pas sur moi pour refaire encore des moindres les foins, laver les pieds. Maintenant, ce que je vais faire, c'est affreusement simple. Je viens au cœur, du cœur, sans forme, sans image, sans symbole et sans rien. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, et vous l'avez déjà, il y en a plein parmi vous qui l'ont vécu ici, je me révèle en totalité en vous. Et je n'ai même plus besoin de venir, je vais être feignant, venez en moi. Plein l'ont fait, plein le feront. Hein, ce qui me permettra de passer peut-être un peu plus de temps dans ma vie éphémère pour goûter, tout comme vous, à ces instants merveilleux où on vit la vérité et où on est présent sur ce monde, mais où on n'est pas de ce monde. Hein? Voilà, donc que ce soit pour jardiner, aller dans la nature, se faire plaisir, mais, vous allez être, comme je l'ai dit, de plus en plus absorbé dans l'amour. Ça ne veut pas dire que vous allez être maintenant endormi, comme se sont passés les 4 mois pour tout le monde, là, les 3 mois, où maintenant on est, ça y est, on est debout. Hein? On est debout, on est vivant. Donc il n'y a rien à construire comme histoire, il y a juste à être. Et si vous êtes dans ce sacrifice tel qu'on l'a été évoqué, vous remarquerez très vite que c'est vous qui créez la réalité. Hein, et que vous êtes capable, ce que j'ai fait, le Christ vous l'avait dit lui-même, ce que je fais vous en ferez de bien plus grand encore. Hein, et je vous le confirme. Je vous le confirme. Tous, sans exception. Hein, et ce que je fais, d'ailleurs, il y en a qui me dépassent maintenant, il y en a qui sont plus hauts que moi. Ils me dépassent, ça ne veut rien dire. Ça va. Mais je suis dans une joie extrême. Par exemple, quand je vois certaines sœurs qui sont en train de danser avec... Ils sont les Ayot HaKodesh, ils sont les Séraphins. Je vous avais dit, vous avez parmi nous des frères, des sœurs, quelle que soit leur vie, quel que soit leur comportement personnel, qui sont bien plus grands que ce qu'on peut imaginer. Hein? Et ce sont souvent les plus timides, ceux qu'on n'entend jamais, ceux qui parlent jamais, qui sont les plus hauts. Pas toujours, mais chez les femmes, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, du fait de cette anomalie primaire, hein, qui a été terrible à vivre. Le féminin sacré, on nous en a parlé pendant longtemps. Hein?
Mais la guérison du féminin sacré ne peut pas être le fait d'une femme. C'est pour ça. Maintenant, j'ai compris pourquoi l'anomalie primaire a été supprimée, même si effectivement, j'ai eu beaucoup d'incarnations dans l'histoire en tant que femme. Hein? Mais je ne suis pas plus homme que femme. L'androgyna primordial, il est pour chacun. Hein? Voilà, bon, j'arrête de parler là, hein, ça suffit. On ne va pas rester jusqu'à demain matin. L'important n'est pas les mots, l'important est le vécu. Hein? Et d'ailleurs, bon, oui, il y a quelqu'un qui veut parler dans le coin. Eric, c'est toi? Ouais. Allez, vas-y. Je voulais juste témoigner de ce... Alors, témoigne plus fort déjà, approche. J'aimerais approcher. De ce que j'ai vécu dans leur passé, j'ai senti au début une vague, je pense comme... Tu parles pendant la troisième vague, là? Là, oui. Oui, oui. Donc, j'ai senti une vague comme, voilà, je pense beaucoup. Et puis, à un moment donné... Il y a cette image qui est venue, que j'étais dans mon lit, mais que j'étais en même temps dans un autre lit, donc dans une autre maison, puis dans un autre lit, puis c'est comme si j'avais revu tous les lits dans lesquels j'avais dormi, allongé. Et là, il y a l'histoire du temps qui s'est... T'as un karma avec les lits, toi? Je sais pas. L'histoire du temps qui était là, et puis j'étais bloqué sur ce truc-là. Donc, il y a les étoiles qui sont venues, donc j'ai pensé précision... clarté, profondeur. C'est l'axe nécessairement sur lequel j'ai travaillé pour pouvoir installer, pour vous oindre l'onction du Seigneur. Je vous ai dit hier, les étoiles se rassemblent à l'avant. Et ce qui déverrouille ça, c'est clarté et précision. Donc j'ai pensé à ces trois étoiles. Bien sûr. Ça s'est fait comme ça, je ne sais pas. Bien sûr. Voilà. Et là, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si j'avais. C'est comme si l'évidence que ce monde était en moi se manifestait. C'était d'une telle simplicité, c'était d'une telle que j'en riais moi-même quelque part. Voilà, mais vous avez tout compris. Mais alors, j'étais pas dans un amour, etc. C'est juste que j'avais la poitrine complètement feu. Oui. Et j'étais dans ce trou et je voyais que tout était en moi, que tout ce qui était en dehors de moi n'existait pas. Enfin, c'est pas que je le voyais, c'est que ma conscience prenait conscience de ça. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que mais comme tout était en moi, c'est comme si tout rentrait en moi. Et ça, j'absorbais. Ça, littéralement, ça dégoulinait en moi, en fait. Ça dégoulinait dans le noir, là. Et c'était tellement fort que ça m'a lancé au cœur. Ça m'a fait monter un coup de pression. Mais rappelle-toi ce que je te disais. Je te coupe deux minutes. Je t'ai dit que dans le truc, je ne sais plus si c'est hier ou ce matin, je perds la notion de temps. Mais je t'ai dit dans le soin de l'enfant. Ou dans le truc d'hier, ou ce matin, je ne sais plus, que tu es venu en moi, tu es rentré en moi. Oui. Tu es rentré. À partir du moment où tu rentres en moi, après tu es libre. Donc l'expérience que tu as vécue après, c'est ça. C'est-à-dire que tu m'as conscientisé comme étant en toi, puisque le monde est en toi et que je suis le monde. C'est fini. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Oui. Parce que c'était tellement fort qu'à un moment donné... C'était trop. Et maman, ça m'a fait tousser. Mais et le fait de me... j'ai tu ne peux comme pas ça. Le bloquer. Moi, ça m'est arrivé pendant certains soins, quand je me suis aperçu que des gens venaient spontanément en moi dans les soins individuels. D'ailleurs, il y avait des petits malins après, et qu'ils attendaient de savoir si j'étais en soins pour aller se coucher vite fait, pour vivre la même chose. Puis à un moment donné, il y a des gens qui rentraient. Alors quand une personne rentrait au début, quand je vous dis que je suis elle... que ce soit en elle ou chez moi, c'est la même chose. Je vis la même chose. D'ailleurs, maintenant, je vous le dis, je peux déclencher un soin sur quelque nature que ce soit, de quelque endroit du corps que ce soit, au jour et à l'heure que je veux, dans le passé ou dans l'avenir. J'ai bien dit, dans le passé ou dans l'avenir. Bien. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est la démonstration formelle, si tu veux, que dès que vous me traversez, que je viens vous traverser, c'est-à-dire tant que quand je me donne ou que vous vous donnez à moi, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire par le sacrifice. C'est ça le sacrifice. Alors tous les trucs que le mental est allé imaginer, qu'il va falloir mettre des clous, bon ouais, j'ai eu un petit clou là, mettre des clous ou je sais pas quoi, ou attendre la fin des temps, je vous dis, on a changé le temps parce qu'on l'a arrêté autrement, tout simplement. Et vous savez très bien qu'il y avait des contrats qui étaient signés, je vous l'ai dit depuis des années, entre ce qu'on appelait Orioniste, c'est-à-dire la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, et les partisans de Yaldébaot, et qu'il fallait respecter ça. Hein? Parce que, quoi qu'on dise et quoi qu'on veuille, ces êtres ne sont pas des sanguinaires, ils sont amour. Ils ont simplement oublié. Ils ont simplement, à un moment donné,
a voulu jouer avec les maîtres généticiennes, comme vous, vous jouez des fois à touche pipi quand vous êtes gamin. Bon, là, ça s'est mal terminé. On peut dire. Mais c'est rien d'autre que du touche pipi. Les Canadiens, ils vont rien comprendre. C'est pas... Et les traducteurs, ils vont s'amuser. Allez traduire touche pipi dans une autre langue, vous me raconterez. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux en dire d'autre? Ben voilà, ça s'est terminé par une toux, et après, voilà, je suis revenu dans un état plus apaisé, on va dire. Il y a tout de suite le triangle que j'ai vu, et après, j'ai appelé Marie, spontanément. Et voilà, mais j'ai pas eu le sentiment d'avoir été jusqu'au bout quelque part. Alors, sentiment d'aller au bout, c'est quand tu étouffes et que tu sens que c'est trop. Ça m'est arrivé moi aussi, bien sûr, à plusieurs fois, parce que quand il y a 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 10 000 conscience qui rentre en toi, bah effectivement, il y a pas, tu te dis ma pauvre cage thoracique. Mais là, je l'ai laissé faire, ça a été jusqu'au bout. Et la chose importante, j'ai même failli oublier de vous le dire. Vous vous rappelez qu'il y avait la blessure, l'anomalie primaire, les habitudes dans le foie. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas mis d'autres pièges mais là, je vois tout, donc a priori, c'est bon. Les deux portes ici et les deux portes ici. Je vous avais expliqué, enfin, ce qui était lié au passage entre la tête et le cœur, c'est-à-dire ce qu'on appelle en médecine les zones latérales du cou, où se situent les sinus carotidiens, la glande alta-major, qui est une glande initiatique, et bien sûr, le sang entre le cœur et la tête. Voilà. Donc là, ce soir, en ne limitant pas ce qui s'est passé, parce que Bidi m'a permis de me reposer tout à l'heure en absolu pendant un moment, qui vaut pour moi une semaine de nourriture et de sommeil, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que c'est la première fois, totalement, je vous disais, bon, quand il y a un soin collectif comme ça, je fais des actions et j'accueille en moi le résultat de ces actions. Qui correspond à votre état. Là, tout a été mené à la perfection. Comme dans la syntonie, vous avez vu cet après-midi ce qui était là, j'ai un programme, je fais un checklist, j'appuie sur un bouton, sauf que je joue votre partition, et ma partition et votre partition. Et là, il restait, pas en moi, mais il restait quand même au niveau collectif humain, non plus d'anomalie primaire, non plus de problème au niveau du foie, il restait un vieux reliquat sur le côté gauche de la gorge. Le côté droit a été traité il y a une semaine. Et donc, c'était la chose qui était la blessure la plus importante en Marie. Bien évidemment, Marie n'a pas pu être coupée de sa source. Nous l'avons coupée nous-mêmes parce qu'il était important qu'on conserve un corps de chair intact par le mécanisme de l'assomption qu'elle a vécu, que son esprit puisse envoyer quand même afin qu'elle vive des vies, mais alors les plus pourries qui soient, afin que jamais elle ne soit repérée, parce que bien évidemment, Marie n'était pas ressuscitée, et tuer le corps de Marie ici sur cette terre, ça aurait été, une deuxième fois, ça aurait été très très gênant. Donc il était impossible que Marie apparaisse avant. Donc toutes les fausses étoiles, Marie qui se balade sur le net, allez, rendez les armes, posez-vous en l'amour et oubliez tout ça. Je vous assure que ça ne sert à rien de se charger de ce poids parce que vous pensez que c'est lié à une mission, un rôle, une fonction. Je vous garantis que vous allez avoir des petits problèmes si vous continuez comme ça. Personne ne peut aujourd'hui se revendiquer être une étoile. Même Marie ne peut pas se revendiquer en tant que Marie. C'est un problème de elle face à elle-même. Dès l'instant où, comme je l'ai constaté ce soir, ce mécanisme final qui restait là, ici, est parti. Marie étant en train de vivre, non pas sa résurrection, mais l'acceptation, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ah, nulle part. Voilà, donc maintenant, je crois que j'en ai fini de parler. Je voulais juste rajouter un truc, c'est que malgré tout ce vécu, j'ai pas le sentiment d'avoir été dans le grand vide. Mais le grand vide vient le moment où tout ça s'arrête. Le grand vide, c'est le néant, je vous l'ai dit. Vous êtes là, à conscience. Comment est-ce qu'un processus vibratoire qui concerne même le corps d'éternité en résurrection peut vous aider à faire le vide? Le vide, mais c'est ce que je me tiens à dire aussi à ceux qui se baladent avec justesse, tant que vous n'avez pas vécu le vide. Oui, c'est ça. Mais le vide, il faut le vivre. Voilà. Et profitez justement des expansions, que ce soit d'accueil ou vous étirez au maximum pour vous servir de l'effet élastique, de lâcher, de revenir au centre. C'est comme ça que ça se passe. Parce que dès l'instant que tu touches le grand vide,
Hein, chose qui se réalise de plus en plus, soit dans les vagues qu'on a fait ce soir ou autre, à ce moment-là, tout le reste va se faire. Hein. Ne soyez pas tributaires des costumes. Il y en a encore qui ne comprennent pas quand je leur dis ça. Ne soyez pas tributaires des rôles ou des fonctions. Et surtout pas d'une fonction, puisque vous êtes tout. Là, moi, je ne vous parle pas de moi aujourd'hui, je vous parle du passé. Comment est-ce que quiconque qui est aujourd'hui lucide et aujourd'hui vrai peut prétendre être quoi que ce soit et tenir un rôle quel qu'il soit, hein? Je vous passe les sites satata avec « Je fais descendre le supramental »,« Mahananda Moyi, je vous prends dans les bras et vous allez bien et vous pleurez pendant des heures ». C'est du pipeau. Ama. Ama. Là, qu'est-ce que j'ai dit? Amrita Nandamayi. Oui. Amrita Nandamayi, c'est Ama. J'ai pas dit Mahananda Moyi. Si, oui, tu as dit Mahananda Moyi. Ah bon? Je voulais dire Amrita Nanda Moyi. De toute façon, je bouffe les syllabes ou je les inverse. De toute façon, je deviens dyslexique, c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, vous voyez, là, c'est le ridicule. Quand vous voyez des gens, ils vont l'entendre, mais tant mieux, qui vous vendent depuis des années des lignes stellaires. Regardez-moi l'impératif de l'amour. Je suis, même encore il y a 2 mois, en bon médecin et organisateur, je me suis dit, on va créer une activité, je vais faire des rendez-vous tel jour, telle heure. Mais ça a été balayé. Pourquoi? Parce que c'est un don, ça ne peut pas être un échange. Vous devez vous donner. Hein? Et quand les gens me demandent, et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec une amie, elle se reconnaîtra d'ailleurs, hein, qui s'appelle Joanne, où elle me demande, mais comment je peux te remercier? Je lui dis tout simplement, viens en moi, ce sera mon merci. Que n'ai-je pas dit là? J'ai vécu le féminin sacré. J'ai vécu sa blessure, j'ai vécu sa joie, j'ai vécu Marie en totalité. Et je lui rends grâce. Ça n'a pas de prix, ça. Si elle voulait me donner, je ne sais pas quoi, 100 euros, 50 euros, 10 euros, mais ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que vous voulez envisager une transaction? On n'est même plus dans la relation, comme disait Anaël, archange de l'amour et de la relation. On n'est plus dans la relation, on est dans l'amour pur. Il n'y a pas de place pour autre chose. Et plus vous êtes vrai avec ça, plus ça va se passer. Et vous croyez que j'ai peur? De quoi? De qui? De quoi? Ils veulent venir me tuer? Ils veulent venir m'arrêter? Mais qu'ils viennent! Qu'ils viennent! Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive à celui qui contrôle le temps? Non pas pour l'enfermer, mais pour le libérer. Alors bien sûr, excusez-moi, je ne maîtrise pas encore tous les charismes qu'ont manifesté certains saints. Il faut que je trouve le mode d'emploi, même si je suis tout. Hein. Et le mode d'emploi, je le découvre en même temps que vous. Hein. Mais si j'avais la possibilité de le faire, je n'ai pas besoin de le faire, parce que je le fais déjà en étant dans mon corps parfaitement lucide avec vous. Là, par exemple, je suis en train de soigner quelqu'un, il y avait un rendez-vous que j'ai oublié. C'est pas grave, c'est quand même. J'ai même pas besoin de m'en occuper, j'ai même pas besoin de porter d'attention. Et je comprends Billy quand il m'a engueulé, quand je commençais. Ça a été utile pour vous comme pour moi, parce que ça m'a permis de vérifier que j'étais bien vous. Hein? Donc, mais non, ça y est, vous n'avez plus besoin de vérification, j'en ai plus besoin. Ouvrez les portes et basta, laissez-moi passer, hein? Traversez-moi, laissez Marie digérer le choc de ça. Elle aussi, je crois qu'elle va avoir certains comptes à régler avec un certain Orionis. mais tout le monde règle ses comptes. Mais ce n'est pas méchant. Il faut régler ses comptes. C'est comme ça qu'on s'allège. Et là, régler ses comptes, ce n'est pas question de payer un karma ou de payer quoi que ce soit. C'est de se donner. Vous payez les comptes en vous donnant. Comme l'a fait Marie. Ouais. Tu parlais de ce qui se libérait au niveau de la gorge à gauche et à droite. Oui. Est-ce que ça concourt, ça fait partie de la blessure du féminin sacré? Non, 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 non. Ça ne fait pas partie de l'anomalie primaire et ça ne fait pas partie de la blessure du féminin sacré. Je dirais que c'est le dernier élément qu'on appelle maintenant l'acceptation de Marie, parce qu'elle est ressuscitée. L'acceptation de Marie. C'est ça, c'est ne plus avoir le moindre trouble dans la manifestation, qu'elle soit la création en ce monde ou ailleurs. C'est lié, pas à la nombrilie primaire, pas au karma, c'est lié simplement à ce qu'on appelle le corps causal, c'est-à-dire la sortie de l'histoire.
Voilà. Et la sortie de l'histoire, je vous l'ai expliqué à travers la résurrection, c'est ce qui se passe quand maintenant vous sortez de l'histoire, quand vous vous êtes vu, vous vous êtes fusionné et vous vous écartez. Et que vous voyez, comme tu dis, que tu peux accueillir l'humanité. Alors je précise dans le processus de l'accueil, parce qu'apparemment vous êtes de plus en plus nombreux à accueillir de plus en plus de conscience en vous, à un moment donné, effectivement, vous allez sentir que ça déborde. Exact. Aller au-delà. C'est même moi, la première fois, j'ai dit, oh là, j'arrête tout, je ressors mes chapelets, je ressors ma gousse d'ail, mes rituels. Eh bien oui, parce que vous êtes dans une joie incroyable, oui. Vous accueillez en gens des choses qui se libèrent avec plus ou moins de difficultés. Quand c'est par un, ça va, vous avez le temps, dans le temps normal, pendant 5-10 minutes, de le sentir, de l'accompagner, d'aller au cœur. Quand vous en avez déjà une dizaine en vous et que vous êtes ces 10-là, ça devient plus compliqué. Mais après, quand ça commence à déborder, quand il y en a des milliers, y a un réflexe d'étouffement. Et d'ailleurs, ça monte à la gorge, bien sûr. Et c'est à ce moment-là, qu'il faut se placer ici. Et à ce moment-là, tu constates quoi ? Christ, Marie, Michael sont présents instantanément. On n'a pas besoin de la forme ni de l'histoire. C'est le vibral qui est là, ici et là. Et là, à ce moment-là, c'est fini. Donc, tu as presque terminé. Tu as failli terminer, mais tu n'as pas terminé. J'ai senti que c'était... Oui, c'est ça. Donc moi, c'est un processus normal. C'est au niveau du cœur physique, moi, que ça fait Le cœur physique, il ascensionne, ça, je vous l'ai dit. Le cœur physique, il a commencé à me faire très mal quand il y en a trop. D'ailleurs, il y a encore des gens, des frères, des sœurs qui sont avec des tensions à 25, des tachycardies, des extrasystoles, des tachycardies supraventriculaires, en nombre. D'ailleurs, je m'en suis excusé, mais il n'y a pas d'autre solution. Quand je réalise une onction du front et que j'allume clarté précision, qui bien sûr, vous en doutez bien, n'ont rien à voir avec ce monde, vous vous retrouvez à vivre ça. Ce que j'ai fait au ciel, je le fais sur la terre. Ce que je fais sur le noyau de la terre, je le fais en chacun, comme en moi. Et que j'agisse, par exemple, sur l'ionosphère, maintenant je préfère agir au plus près de la terre, c'est-à-dire au plus près de vous. Bon, il m'arrive des fois d'aller m'échapper, ou les Ayot HaKodesh, par exemple, qui viennent avant-hier, la nuit, puisque la nuit, je vois tout l'univers qui s'ouvre au-dessus de moi, comme je voyais avant dans les églises, quand il y avait une messe sacrée, une vraie messe, le ciel qui se déchirait, et l'Esprit Saint qui descendait dans l'hostie. Là, je vois simplement, si tu veux, hier, j'ai vu ce que je pensais jamais voir ici, dans ce monde. J'ai vu les séraphins, j'ai vu les roues dans les roues. Elles étaient là, au plafond. Elles tournaient, dans un verre absolument incroyable. Donc, tout ça... vous pensez bien qu'Ézéchiel, quand il a eu ses visions, il les a pas vécues dans son corps. Il a été ravi en extase et emmené. Là, ils étaient là. Donc, même si vous voyez, absorbez tout. Vous allez voir des témoignages que j'ai mis sur la page aujourd'hui, sur Facebook, parce que bon, ça va plus vite en fait, de gens qui se sont retrouvés face à Yaldébaoth, à Lucifer. Il y en a une qui s'est retrouvée avec tous ces petits diables. Et elle était clouée au sol. Elle savait qu'elle devait réabsorber. Elle se sentait éponge. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté. Ne refusez pas qui soit qui se présente. Tout ce qui est pérante a le mérite. C'est pas le mérite, c'est pas l'obligation et le mérite, c'est autre chose. C'est à le devoir de vous traverser. Et vous avez le devoir de vous laisser traverser. Sans ça, vous ne pourrez pas comprendre et vivre que vous êtes l'autre. C'est facile quand c'est quelqu'un qu'on a tous les jours, qu'on connaît bien. Mais soyez prêts pour l'inconnu et l'imprévisible. Vous l'avez dit, Bidi, Oui. Vous êtes dans l'inconnu et l'imprévisible. Autre témoignage ou autre chose à dire? T'as bien fait de revenir, c'est vraiment le dernier truc à faire. Mais bon, en général, c'est bien quand vous le trouvez tout seul. Même si vous étouffez 3-4 fois, c'est pas grave. Allez, Clément. Viens ici parce qu'on va pas t'entendre. Non, c'est juste une question très pratique. Il y en a beaucoup qui vivent un petit souci temporaire au niveau du cœur. Oui. Et on nous a souvent parlé autrefois de l'aubépine et je me demandais si c'était encore d'actualité. Vous pouvez. Tout ce qu'on nous a donné durant toutes ces années. Moi, personnellement, je suis partisan, je dirais maintenant, de ne plus vous servir d'aucune béquille. D'accord. Faites face. Oui. Vous êtes grand. Oui. Oh, bien sûr, vous avez besoin de voir un ostéo, vous avez besoin de faire réparer un os, ou vous avez une angine, puis la lumière ne traite pas, et qu'une fièvre à 40, allez voir un médecin. Mais dans ce que tu décris là,
Non, c'est vous. D'accord. Soyez debout. Faites-le vous-même. Si vous n'y arrivez pas, eh ben, vous allez chez quelqu'un, vous venez me voir, vous rentrez en moi, vous n'avez pas besoin de m'appeler, de me faire des discours, des cinémas, ou n'importe quel frère avec qui tu l'as déjà fait. Il t'accueillera. Alors bien sûr, bon, moi, m'accueillir, c'est un peu difficile parce que il y a une telle puissance, vous l'avez senti surtout depuis la rose et l'éclair, que j'ai appelé comme ça à défaut de vouloir, parce que je ne voulais pas donner de nom tout simplement, et qu'effectivement, c'est la représentation la plus archétypienne, on va dire, qui soit possible. Quand vous avez un problème, faites-le. Vous n'avez pas besoin de m'appeler, vous n'avez pas besoin de demander, vous n'avez pas besoin de m'envoyer un mail. De la même façon que je décide des fois, et ça se fait spontanément, au moment des expansions, au moment des soins planétaires, il y a des fois des frères et des sœurs que je connais ou pas qui m'appellent plus individuellement, j'y réponds. Ça ne me prend rien comme temps, puisque je maîtrise le temps. Donc vous voyez, c'est une question, ça nous a toujours été dit, d'attention. Il suffit d'être au courant pour que ça se fasse. Et au courant, j'ai pas besoin de mots, j'ai pas besoin d'explications, j'ai pas besoin de connaître votre vie, puisque je la vis. Et quand je dis que je la vis, rassurez-vous, je vais pas pénétrer dans vos histoires d'ego, de personnes. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez libre, et uniquement ça. Et à ce moment-là, même si je peux pénétrer jusqu'au niveau atomique et au niveau le plus intime de la conscience, je n'ai aucune envie de le faire, ça vous appartient, parce que ça, c'est éphémère. Par contre, je le vois. Mais il n'y a aucune impudeur là-dedans. Puisque l'essentiel se situe au niveau du cœur. Le reste, ça ne fait que passer. Hein? Voilà pourquoi il n'y aura plus de mémo. Voilà pourquoi on ne fera plus de distinction entre Bidi, moi, le Christ, Marie ou qui vous voulez. Voilà pourquoi c'est un don. Et voilà pourquoi c'est offert à tout le monde, et voilà pourquoi vous devez de l'offrir à tout le monde. Hein? Et de faire la même chose, surtout, de vivre la même chose. Il n'y a aucun obstacle, hein? Il n'y a que vous l'obstacle. L'obstacle, c'est vous. Dites-vous ça tout le temps. Il n'y a qu'un obstacle, c'est vous. Il n'y en a pas d'autre. Hein? Et tant que vous vous appuyez sur le moindre passé en disant c'était ceci, cela et autres, même Marie, le passé est le passé. Ressuscite, t'auras plus de passé. C'est aussi simple que ça. Bordel. Même pour Marie. Mais ouais, mais tant qu'on l'a pas vécu, ça paraît insurmontable. Alors, bon, moi, je ris quand je vois ça. Bien sûr, les gens n'aiment pas trop. Enfin, Marie n'aime pas trop, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à part rire? Hein? Oubliez l'image des icônes des cathédrales. Oubliez... ces apparitions de la Vierge grandiloquente, là, que Marie elle-même nous avait dit que c'était ses apparitions, mais que c'était pas elle. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Marie est l'être le plus humble de la création, le cœur le plus lumineux en ce monde, mais l'être le plus humble, c'est tout. Et il en faut de l'humilité pour avoir une force aussi. C'est pas tout l'humilité. Mais vous pouvez prendre sur. Regardez, Thérèse de son vivant, elle a pris une âme en demandant au Christ de lui confier une âme. Une. Et c'était Thérèse, hein. C'était pas n'importe qui, Thérèse. Parce qu'à l'époque, c'était pas possible. C'est ça. Oui, c'est ça. Hein? Et aujourd'hui, c'est possible. Alors soyez tous le père, soyez tous l'enfant, soyez tous la mère, et soyez surtout rien. Parce que vous n'êtes rien. Et qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'être tout sans être rien. C'est ça le sacrifice. Aujourd'hui, le sacrifice est extrêmement facilité. Vous n'avez pas à vous battre contre vous-même, contre vos douleurs, contre les explications, votre mental ou autre. Vous avez juste à prendre quelqu'un dans votre cœur. Pas dans vos bras. Embrassez-le tant que vous voulez, mais tant que vous ne l'avez pas pris dans votre cœur, ça ne sert à rien. Là, vous ne pouvez pas tricher. Et c'est là où on va bien rire avec tous les marchands du temple, là, qui nous proposent des trucs invraisemblables depuis des années, des chemins indispensables, qui sont habillés avec des robes oranges, des robes blanches. C'est des gourous, ça, au sens là de la définition occidentale un peu narquoise. Il n'y a qu'un gourou, c'est vous. Et même dans les pseudo-transmissions de maître à élève, même comme l'a fait, comment il s'appelle, Ramchandra Babuji ou Bidi, c'est fini.
Parce que dès que vous confiez ça aux hommes, c'est terminé. Pourquoi Frère K avait dit qu'il quittait toute organisation? Pourquoi il est revenu nous le dire à la fin de 2011 et qu'après il s'est passé ce qui s'est passé? Ben, c'était normal. C'était normal. Il y avait la traversée du désert pour certains, il y avait la traversée du désert pour chacun. Cette traversée du désert ou du paradis pour d'autres, hein, ce qui fut mon cas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. À partir de là, voilà, tout est accompli. Ne mettez rien au devant de l'amour. Il n'y a rien qui ne puisse être résolu par l'amour. Absolument rien. Est-ce que les, que les étoiles de Marie ont un rôle à jouer là, dans cette acceptation? Mais Macaille, oh non! Quelle étoile de Marie? Arrêtez, on est en résurrection et vous me parlez encore d'étoiles. Qu'est-ce que tu racontes avec les étoiles là? À quoi ça vous sert les étoiles? Elles sont en vous. Est-ce que vous avez besoin de reconnaître qui que ce soit à l'extérieur? Par rapport à Marie. Non, 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 Marie, laissez-la tranquille. Marie, c'est pas une étoile de la tête. Marie, c'est air, c'est l'éther primordial. C'est le premier éther qui est sorti conforme de la première manifestation de la conscience. Arrêtez avec les étoiles, oubliez. Hein? Gardez la fonction spirituelle, et pas en ce monde. Hein? Et arrêtez d'idolâtrer même Marie. Ou qui que ce soit, même le Père c'est vous, qu'est-ce que... Il n'y a rien, il n'y a que vous, il y a le grand vide. Vous êtes la source de la conscience, le grand rien. Alors bien sûr c'est important de parcourir l'histoire pour mettre fin à l'histoire, c'est ce que vous faites les uns et les autres quand je vous vois sur les volcans, dans les océans, en train de casser de la pierre, en train de faire descendre l'Esprit Saint, c'est vous qui le faites. Bien sûr, je le vois. Mais après, il faut bien rentrer en soi et retrouver le repos du guerrier, j'allais dire. Mais on n'est pas des guerriers. Hein? On est des guerriers de l'humour et de l'amour. Mais de, ce qui vous nourrit, c'est le grand vide. Hein? Ce n'est pas ce que vous vivez avec Marie, avec Jésus, avec les volcans. Même si vous prenez des tripes incroyables à vous baigner dans les volcans, c'est vrai que c'est très agréable. C'est pas ça, hein, l'essentiel. Mais jouer. Jouer librement. Et maintenant, Marie est dans la résurrection, elle est dans l'acceptation, elle doit elle aussi se libérer de ce rôle de Marie. Mais il faut qu'elle traverse le chêne d'aiguille. J'y veillerai. Et pour cela, ben, priez, non pas pour elle, mais prenez-la en vous. Vous n'avez pas besoin de connaître son sac. Hein, on n'avait pas besoin de connaître sa vie. Hein? Faites-le. Allez, on arrête. On va y se coucher quand même parce que non, j'ai pas de mémoire à réviser. Ça fait un peu long pour faire une. Faut que je. Tu peux envoyer partie 1 mémo, partie 2 1h08, ultime satsang. Ultime satsang.